Ok. Du coup, je ne sais pas s'il faut parler en français ou en anglais, donc je fais un mélange entre les deux. Là, on va passer pour présenter le concours de MIT. C'est un premier pour la France. On l'a annoncé rapidement ce matin. Je vais laisser Joël donner plus d'informations. So if you want to go ahead and give the details of the MIT startup competition very quickly. Oui, merci Roxane. Très rapidement pour dire, enfin les organisateurs, mais Metinov, que nous sommes particulièrement fiers, heureux, je crois, de que ici à Metinov pour la 8e édition qui réunit beaucoup de monde. Vous savez qu'elle connaît le succès puisqu'on a même été obligé un peu d'arrêter le compteur hier puisqu'on a accueilli à peu près 800 personnes aujourd'hui. Très fier de que le MIT, d'une certaine manière, madame, messieurs, vous ayez choisi la France déjà parce que c'est une première que le concours du MIT se fasse en France, et c'est une première pour Metinov aussi de pouvoir accueillir le TR35, puisque c'est aujourd'hui, le 22 novembre, à l'occasion de Metinov, qui est lancé ce concours national qui s'adresse aux jeunes talents, à ceux qui ont moins de 35 ans et qui peuvent transformer le monde. Je crois que c'est une phrase qui est souvent reprise par le MIT, mais c'est l'enjeu de ce concours, de révéler des talents. Voilà, alors le concours est lancé aujourd'hui, on va nous l'expliquer. Puis il y a un site internet, tr35france.com, qui permettra bien évidemment de découvrir tous les éléments et tous les critères pour pouvoir participer, puisque c'est pas tant chacun qui doit candidater, mais c'est plutôt des parrains qui vont révéler des talents et tout cela jusqu'à la fin de l'année, jusqu'à la fin du mois de décembre, sachant que la grande remise de prix France du TR35 se fera au mois de mars. Alors l'agence de développement du Val-de-Marne est partenaire, mais vous voyez qu'il y a beaucoup de sponsors, vous les avez sur le panneau, et puis bien évidemment, comme c'est un début, ça va grandir, ça va se développer, et donc nous allons être à l'arrivée très nombreux. Voilà, je ne suis pas plus long parce qu'il y a une vidéo qui explique très bien cela, et puis parce qu'aujourd'hui on a la chance d'avoir de beaux invités, mais je voulais souligner que Metinov était très content que ça se fasse ici aujourd'hui, le lancement du TR35 France. Donc merci beaucoup, et puis bon, je crois qu'on va pouvoir les écouter et les applaudir. Voilà, je te rends le micro, Roxane. Merci. Hi, I'm Jason Ponton, the editor-in-chief and the publisher of MIT's Technology Review and also the chairman of the MIT Enterprise Forum. Every year since 1999, Technology Review has selected 35 young innovators under the age of 35 whom we, a community of their peers and a distinguished panel of judges, have the capacity to transform the world. Over the years, we have had some success with identifying young people with tremendous abilities. Some of our winners have included David Karp, the inventor of Tumblr, Johnny Ive, the chief designer of Apple, Helen Grenier, the founder of iRobot, and Ed Boyden, who has single-handedly created an entire new field of science called optogenetics, which will allow scientists one day to control memory and even thought. This year, we welcome France to our growing list of regional TR35 awards. Hello, I'm Laura Wilson here with the MIT Technology Review today. And it's such a privilege to be with you to launch the TR35 competition in France for the first time. Oh, is this okay? Thank you for your help. So much. First, I wanted to share some background on the publication. It is a 113-year-old publication affiliated with the MIT renowned institution, which provides a wonderful scope for our editorial coverage, very deep technical knowledge, and always a very realistic economic filter over the technology news.
We strive to be as innovative as the companies that we cover. And just last month, after 113 years of covering technology, Jason Ponton, who you just heard of, relaunched the publication with a digital orientation. And we also focus on, actually, it is rapidly growing. We currently reach 4.5 million people a month around the world, and the global audience is growing very rapidly. The editorial focus in this very busy, fast-moving, and noisy industry, the editorial focus of the MIT Technology Review is to identify where there is technology that will have a lasting impact, provide a filter for the news that we see every day, and identify important new technologies, or a new application of an existing technology that is going to have an impact on something about the way that we live and work. Jason's belief is that technology will be at the heart of all of our shared human challenges, and that we work to really look for how these new news in technology industry is going to affect our lives. The platforms that we have to deliver this news, there's a website which has obviously more focus, more languages around the world. We have the print publication, and we're increasingly using events to gather communities like this, and it makes such a big difference to get together in person with the innovators and the people that are behind this radical change. So that's our different platforms for driving the global conversation about technologies that matter. Today we are launching the TR35 in France for the first time, and I wanted to share a little bit about the history. It is a 13-year-old competition, and it begins with our editors looking at trends in innovation and where there's different activities around the world that are really driving change. And over 13 years, it has become a recognition that's been, there's people in startup companies, leading global organizations, universities, government organizations, any organization of any size, anywhere in the world. We're trying to find where the most groundbreaking and creative thinking is happening in our industry. So how do we find these people? There's an online nomination process, and today TR35France.com is live. And I very much hope that you all be discussing this with your colleagues and helping us get the word out. The nomination process is open online. We also have significant input from our editorial leaders and partners. And what happens is the people that are nominated are then reviewed by peers. There are letters written by their peers in their field. There's a panel of judges assembled that have very deep knowledge in these fields that we're assessing. And it is a lot of discussion and a lot of work by this team. And they whittle down to the winners each year. And it's been quite a successful program. You heard from Jason a moment ago, so I won't repeat, but there's been a number of industry leaders spotted very early in their careers by this process and this ongoing discussion, seeking out the top innovators in the world each year. Just a month ago in Boston, actually on Cambridge, on campus in Cambridge, we had our annual conference, which is MTech, and we have each fall the global TR35 announced, and they come in person to speak at our MTech conference, and it's always a highlight of our year to hear from these people, and the winners of the competition in France are nominated automatically for the global awards. So we hope that you will help us get the word out now for the French nominations for the first time that the awards are being given in this market, which we are very keen to get to know. And then the nominations are due at the end of December. And then the awards here will be given in March, and then the global awards are in October. I wanted to share an example of one of the speakers that we enjoyed hearing from last month. We had for the first time an Entrepreneur of the Year award, which went to Ren Ng, who founded Litro. And this is a startup company that brought out a camera that is taking photography in a totally new direction. It captures an image that you can edit after the fact. So here's a picture. This is the same file focused on the front, and then you can focus it on the dog. And so when you see these images and you start clicking on them online, it's the kind of technology that you expect. You start to see kids clicking on pictures and expecting it to be manipulable after you've seen this happen. So this was an example of one of the
very surprising and delightful technologies that we celebrated this year. I mentioned that we just relaunched last month the company as MIT Technology Review, and this program, the TR35, will be under the umbrella Innovators Under 35 globally going forward. And again, we're just very excited to be bringing this program to France and can't wait to see the nominations that we hear from this group. So thank you for being here today. Thank you for helping us get the word out about the nominations. And I'm delighted to have a past winner here today to share the experience. Yeah, I'll let Laura hand it over to Gabrielle Charlotte. And you can talk to us about, I think you were nominated this year, is that correct? No, I was nominated in 2010. 2010, sorry. I will let you actually go ahead and just launch into kind of your experience. Just to let you know ahead of time, I'm going to be a little bit mean with time. So I will let you know when 5 minutes are up. Okay. Okay, thanks. So I can perhaps switch to French now? Of course. Okay. Pas de souci pour parler en français. Donc voilà, je vais vous parler en français, ça sera peut-être plus simple. Donc, je fais partie donc d'Alcatel-Lucent et de la partie recherche d'Alcatel-Lucent qui s'appelle Bell Labs. Et donc, j'ai été effectivement sélectionné il y a donc 2 ans par le TR35 pour mes travaux que j'ai menés donc sur les transmissions de données par fibre optique à très haut débit. Donc, c'est notamment des travaux qui ont permis d'augmenter d'un facteur 10 le débit de transmission contrôlé par la fibre optique. Et donc, il faut savoir que l'ensemble des transmissions par Internet pour relier 2 villes ou un continent et un autre, par exemple la France aux États-Unis, ça se fait par des réseaux de fibres optiques. Voilà. Donc, il y a encore peu de temps, on utilisait des méthodes vraiment très simples pour moduler et détecter la lumière. Donc, on avait une modulation qu'on appelle d'intensité. On avait de la lumière ou pas de lumière. Quand on avait de la lumière, on détectait un 1. Pas de lumière, c'était un 0. Et on avait une simple photodiode pour détecter ce signal. L'innovation que j'ai apportée avec mon équipe, donc on a commencé à travailler sur ce sujet en 2006, c'est donc une modulation qui est plus complexe. Donc au lieu de moduler ce qu'on appelle l'intensité de la lumière, on va moduler la phase de la lumière sur 4 niveaux, et on va également utiliser les 2 polarisations de la lumière. Donc ça, c'est des changements au niveau de l'émission, également au niveau de la réception, on a dû porter beaucoup de changements. On ne pouvait plus utiliser une simple photodiode, on devait regarder les interférences entre le signal qui arrivait et un oscillateur local ou un signal de référence qui est en fait un laser continu. Et en regardant ces interférences sur plusieurs photodiodes, donc typiquement 4 photodiodes, et en numérisant ces signaux, en les reconstruisant par traitement du signal, on pouvait remonter à l'information qui avait été émise au départ. Le gros avantage de cette solution-là, c'est qu'on pouvait notamment compenser toutes les distorsions qui pouvaient avoir lieu le long de la transmission par fibre optique. Ça nous a surtout permis donc d'augmenter d'un facteur 10 le débit de transmission et donc d'augmenter d'une certaine façon d'un facteur 10 la vitesse de la transmission sur Internet. Et donc les techniques de traitement de signal qu'on applique maintenant dans le domaine optique sont inspirées des techniques qui sont utilisées depuis déjà quelques années dans le domaine des communications radio, typiquement la 3G ou la 4G. Voilà, donc on a par exemple différentes étapes de traitement de signal qui nous permettent de compenser le fait que dans la fibre optique, les différentes composantes spectrales de la lumière ne se propagent pas à la même vitesse, ou le fait que les 2 polarisations de la lumière se mettent à tourner et qu'on doit faire des traitements spéciaux pour les reséparer au niveau de la réception. Donc voilà, l'ensemble de ces travaux, donc on les a commencés en 2006. En 2007-2008, on avait commencé à avoir une vraie, on va dire, maturation technologique au niveau de la recherche. Et en 2009, on a pu transmettre pour la première fois donc dans mon équipe des signaux modulés au débit de 100 gigabits par seconde par longueur d'onde sur des distances transocéaniques, donc typiquement c'était 7000 km, donc des distances suffisantes pour relier l'Europe aux États-Unis par exemple. Et donc très rapidement, on a pu transférer ces résultats de recherche aux divisions produits d'Alcatel-Lucent qui en ont fait un produit. Et dès 2010, donc Alcatel-Lucent a été le premier à annoncer et à déployer des produits utilisant cette technologie-là au débit de 100 gigabits par seconde. Et donc c'est, je pense, une des raisons importantes qui a fait que j'ai été sélectionné en 2010 par le MIT et par le Technology Review, parce que voilà, mes travaux de recherche ont eu un impact, ont été utilisés et ont un impact aujourd'hui en permettant au réseau Internet d'être plus rapide qu'avant et donc de poursuivre la croissance du réseau Internet. Voilà, donc je vais maintenant passer la parole à... Très bien. À Thérèse Vienne pour présenter le club MIT en France. Merci. Merci Roxane. Alors, vous pouvez choisir, je peux parler en français, chinois ou anglais. Bon, je vais continuer en français.
Donc, je suis la présidente du MIT Club de France, qui est la représentation officielle des anciens élèves du MIT, les alumni. C'est une association loi 1901 qui a été créée depuis 1953. Et notre objectif, c'est de maintenir des relations entre le MIT et la communauté française. Et donc, nous organisons pas mal d'événements avec des chefs d'entreprise, avec des membres aussi de l'administration, de l'éducation et de la politique. Nous avons, en tant que présidente aussi du MIT Club de France, je suis aussi présidente d'une fondation, MIT France. Donc, nous avons nous fournissons des bourses pour des cycles de recherche ou d'études pour des Français qui veulent aller étudier au MIT. Donc, là, aujourd'hui, nous sommes sponsors de Technology Review du MIT pour pouvoir diffuser la bonne parole et essayer de recruter un maximum de candidats qui pourraient être qualifiés pour le TR35 dans l'innovation. Mais ce n'est évidemment pas réservé qu'aux membres qui ont fait le MIT. Au contraire, nous souhaitons une recherche globale et donc nous diffusons cette recherche parmi vous et votre réseau. Voilà. Très bien, merci. Et là, on va passer la parole à notre dernier speaker, qui est Johan Jaffray de l'atelier BNP Paribas. Et c'est peut-être pas évident pourquoi il fait partie de la délégation MIT sur scène, mais vous êtes sponsor aussi de la compétition. Exactement. Oui, bonsoir. On est sponsor de l'événement. On a été approché il y a quelques semaines par l'organisation du TR35 France. Et on s'est posé la question de savoir si on devait associer le groupe BNP Paribas et l'atelier à cet événement. Et ça a fait sens. Et pour vous dire pourquoi rapidement, à l'atelier, donc, on est basé à Paris. On a des filiales à San Francisco et à Shanghai. On fait de la veille technologique, donc on analyse l'impact des technologies de l'information et de la communication sur les usages, sur notre vie de tous les jours. Et on a, moi, je m'occupe plus particulièrement du lab. Donc le lab, c'est faire le pont entre des startups, des chercheurs, des innovateurs et le monde de l'entreprise, ce qui n'est pas toujours une chose évidente. Donc on a processé ce fonctionnement-là. Et donc au-delà des activités de l'atelier, donc, qui sont essentiellement le média, les événements et le conseil en stratégie numérique, on est confronté souvent à ces cas d'innovation qu'il faut savoir appliquer à la vie de tous les jours et savoir comment transférer une innovation qui vient d'un laboratoire, de chercheurs émérites qui réussissent et les faire intégrer dans des sociétés comme Alcatel-Lucent ou d'autres. Et nous, ça fait sens et c'est un moyen supplémentaire et très complémentaire d'accompagner l'innovation pour le groupe et pour la cellule Veille Techno, l'atelier que je représente ce soir. Merci. Merci beaucoup. Are there any questions? Est-ce qu'on a des questions? OK. Thank you so much for being here today. We can't wait to see the nominations.